Aqua Alta mixe deux principes en fait. Le principe de Vidéodrone, enfin le principe même fondateur de mon travail avec la vidéo, Vidéodrone, à savoir des caméras qui recadrent des bouts de réalité qui étaient extérieurs pour cette pièce-là, Vidéodrone, et ensuite une transduction du bruit des images qui devient donc ce signal vidéo qui porte les images, qui est amplifié pour devenir un signal audio. Ça a été pour moi le moyen de résoudre cette question du son et de l'image en mouvement. Parce que je me posais la question, je me demandais pourquoi coller d'une manière complètement arbitraire une musique ou des sons à des images. C'est de l'ordre du collage, ce qui n'est pas tellement ma manière de procéder. Ma manière de procéder, c'est d'essayer de trouver dans le matériau que je manipule un composant interne, physiologique de ce signal, matériau-signal, d'arriver à en extraire un composant interne pour redonner forme à ce matériau-signal. Tout matériau possède en lui-même des composants qui pourraient servir à lui redonner forme. La peinture noire qui a envahi la courbe du Palais de Tokyo est parfaitement justifiée parce qu'en fait ces projections se produisent pas sur du blanc, puisqu'on il y a une partie de l'image qui n'existe pas, on pourrait dire d'une certaine manière. Et donc, c'est pas du tout le même rendu que sur un écran, vous voyez. Donc, il était question, on ne savait pas où placer les images, donc par commodité, on peint le lieu en noir complètement. Les références, c'est beaucoup plus une nébuleuse pour moi que quelque chose de précis où j'irais dire, ah ben je reprends telle chose et je fais tel mix avec un collage, quoi. Alors, je parlais du collage, mais il ne s'agit pas tellement de ça. Ce qui m'importait, c'est réellement qu'il y ait une implication, et c'est souvent le cas dans mes travaux, du corps du visiteur. Et donc, je pense que lorsque on se retrouve dans des situations où on doit agir, comme ici, simplement se débrouiller avec comment manipuler cette barque, on mémorise en fait beaucoup plus profondément l'expérience, quoi. C'est une manière d'enregistrer des sensations et l'expérience esthétique, il me semble.